Bonsoir. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous poussions ensemble une petite étude sociologique que j'ai moi-même amorcée Quelle emmerdeuse! et puis que nous en tirions éventuellement les conclusions éventuelles que nous trouverions. À savoir, avant le confinement, nous étions tous plus ou moins dans des questions existentielles, de savoir quel allait être notre nouvel achat, notre nouvelle acquisition. Tu bluffes, Martoni. Et en effet, depuis ce confinement, nous sommes tous animés au plus profond de notre être par une toute autre question, hein, en apparence du moins, qui est mais combien de rouleaux de papier toilette allons-nous réussir à acquérir? En effet, finalement, il y a quand même une certaine continuité, comme un petit fil rouge, hein, dans tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, nous restons quand même dans un questionnement, de trou du cul. À ceci près, quand même, que le confinement nous aurait sans nul doute apporté un petit peu plus de profondeur. 2 hours later. Je trouve ça fascinant. La farine, c'est de l'or. Regardez ce ruer les gens. J'adore. Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, pas les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. Regardez se ruer les gens. Et de temps en temps, je vide le stock. Et je remplis le stock. Et je vide le stock. Et on remplit le stock. Et je refile le stock. Et attention, je remplis le stock. J'adore. Les gens n'arrêtent pas d'acheter. Ils se demandent qui a vidé. Ils commencent à m'encercler. Et là, je me sens en danger. Alors je leur dis, prenez-moi, mais le PQ n'y touchez pas. Je veux pas être sale en bas comme la dernière fois. J'adore. Regardez se ruer les gens. Je trouve ça fascinant. Le pain de mie, c'est de l'or. Regardez se ruer les gens. Oh, oh, oh. J'adore, 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 j'adore. Et je vide le stock. Et on refait le stock. Et je revide le stock. Et on refait le stock. J'adore. Voilà, alors la conclusion que j'ai pu tirer de tout cela, c'est qu'en effet, si la fin justifie les moyens, eh bien, on peut considérer que l'anus peut justifier le lotus. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.